Bon, je m'appelle Raph, artiste rap, et avant, j'étais boxeur. Donc, si j'étais pas rappeur, j'aurais été boxeur. Et puis même, sa façon de se désaxer, tu vois, il passant en dessous les gauches, les droites. Des fois, il part carrément de la jambe droite, alors qu'il est droitier, tu vois. C'est un risque, hein, quand même, partir sur la jambe droite, descendre en hypercute, remonter direct en crochet du gauche. Il le fait super bien, ça. Il descend, il remonte et l'enchaîne direct. Quoi. Et ça, c'est risqué, quoi. C'est un pas, c'est un contre-pas qu'il faut faire, tu vois. C'est des axes d'une manière. Et avec Tyson qui le faisait comme ça. Après, il boxait comme un léger, hein, tu vois. Quand il avait son entraîneur, Cus D'Amato s'occupait de lui, ben, je crois qu'il l'avait pris déjà quand il était petit. Il avait vraiment donné un style de léger, quoi. C'était parfait. Sa boxe était parfaite. C'était millimétré, quoi, tu vois. Moi, j'écoute les médias, mais en même temps, je me dis, bon, je le connais pas personnellement, donc je peux pas savoir si c'est vrai, tout ce qu'on entend sur lui. C'était un père, je pense. Hein. Il avait déjà prévu qu'il allait être champion du monde. Il l'avait entraîné pour. Mais bon, après, c'est plus la même école. Hein. L'autre, il est mort. Après, il est rentré dans le showbiz, Donking et tout, les tunes. Puis lui, il s'est mis à sortir, il a grandi. Il a évolué, il est devenu adulte. Il aime les boîtes, il sort, il boit, il aime les filles, voilà. Tout ce qui est pas bon pour un boxeur, il est tombé dedans. Quoi. Je crois que les médias, ils ont trop joué avec lui. La justice aussi. Puis il se sent traqué. Quoi. Il est un peu frustré. Et puis tu le sens, quand il bosse contre Holyfield, qu'il lui arrache l'oreille, c'est plus de la haine. Quoi, tu vois. Tu sens que, vas-y, ils me prennent pour qui? Ils me prennent pour un fou. Ben, je vais faire le fou. Moi, je pense que c'est ça. Quoi. J'écris pour cogner. Quoi. Voilà. Même dans le ton que je prends, le flow que je trouve, et le son aussi, tu vois. Bah, c'est pour défoncer, quoi. Rien que ça. Donc dans le flow, il y a de la technique. Tu vois. Puis dans les lyrics, il y a des coups. Des coups, il y a des jabs. Prépare une grande droite derrière. La grande rime, la terminaison, t'as compris? Il y a des métaphores, c'est les esquives. Je te pousse à l'erreur. C'est... Ouais, c'est la même philosophie en fait, c'est clair. Moi en tout cas, ce qui me concerne. Pour moi, c'est Mike Tyson, c'est toujours la même chose. Tu restes debout jusqu'à 5h du matin, hop, tu dois arriver, short noir. Chaussures noires, premier round, KO, au revoir, tu vas te coucher. Team Dog, à l'ancienne. Quand tu prends le micro, c'est pour être le meilleur, pour battre l'adversaire au point ou KO. Donc, le rap, c'est un peu du sport. Il y a vachement l'esprit de compétition, c'est ça qui nous fait avancer. Je sais pas, la gueule du bonhomme, tout le truc, quoi. Bon, après, je pense pas que... Enfin, pour pas mal, c'est pas juste le fait qu'il soit black, mais pour nous qui sommes black, déjà, quand on a un qui monte, c'est toujours un ascenseur pour tout le monde aussi, quoi. À mon avis, ça correspondait vachement plus à l'époque où, déjà, c'était dur d'être black, tu vois. Ne serait-ce que même quand tu gagnais un combat. L'époque, faut me savoir que ça fait... seulement 30 ans que les États-Unis ils ont fini avec la ségrégation, c'est pas beaucoup 30 ans. Hein. Pas les un bien quoi, l'argent pour les gens qui viennent de la rue, tu vois. Soit tu as déjà de bonnes assises, et tu peux avancer quoi, mais en général ça rend toujours feignant et t'es un peu distant de la réalité, quoi, tu vois ce que je veux dire. Moi je préfère de tout le panel de boxe, je t'avoue, je préfère l'anglaise, tu vois. C'est le truc, c'est la base, et puis c'est ce que je trouve. Gracieux quoi, tu vois. Et lui, c'est l'antithèse de ça quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il a beau peser, il n'est pas très grand, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, c'est que des. Tu vois, donc j'aime bien ce côté le petit qui s'attaque au gros steak, quoi. Tu vois, costaud la framboise, quoi. Tu vois. Puis après, il y a les pressions, quoi. Le retour, tout ça, taf. C'est dur pour un seul homme. Tu vois. Un sportif, c'est fragile, quoi. Pas soit le mec a dû se conforter dans un truc un peu facile, j'arrive, partout j'arrive, les portes ouvrent, machin, nanana. Et tu te rends plus compte que les portes, fallait les ouvrir à la porte. C'est
plus t'es histoire de rythme, ça veut dire que en boxe comme en rap, si tu subis le rythme, si c'est pas toi qui le donne, déjà. Donc pour moi le parallèle c'est ça quoi. Tu vois, entre le rap et la boxe, c'est que c'est encore un truc, t'as besoin de rien quoi. T'as vu, pour t'entraîner à la boxe, il te faut des gants limite quoi. Tu vois, je veux dire. Pareil quoi, hein, c'est un papier, un stylo, tu vois, c'est un peu comme le breakdance, comme tout ce qui vient, tous les trucs de street, ouais, un genre de DMX.